tu l'as fait après Strasbourg, avec c'était une défaite, tu peux le faire après une victoire. C'est un match très important que vous avez gagné parce qu'il fallait, relever la tête après Auxerre, il fallait relever la tête après la trêve. Et même si la première mi-temps a été compliquée, vous avez réussi à tenir et après c'est l'OM, quoi. Oui, pour nous c'est un match très compliqué. Cette équipe, c'est pareil à Strasbourg, ils viennent en contre un, tous les camps. Pour nous, c'est plus compliqué de jouer au foot, mais je pense qu'on a fait un très bon match, surtout la deuxième mi-temps. Et oui, c'est très important pour nous, c'était 3 points. Maintenant, rester un peu, et on va démontrer et demander les prochains matchs à la maison. Qu'est-ce qui vous a plu le plus? Qu'est-ce qui vous a plu le plus de votre équipe dans ce match? Je pense que le caractère, la mentalité, on a joué les matchs parfaitement. Quand on peut jouer au foot, on joue. Quand on a besoin de pelear, on a fait ça. Mais pour moi, c'est la mentalité de l'équipe. C'était 12 semaines très, très dures pour nous. Et moi, dans la trêve aussi, à l'Argentine, avec Léo aussi, on a parlé beaucoup de dernier match et beaucoup de cet match pour l'importance de gagner. Est-ce qu'un joueur comme Valentin Rongier n'incarne pas un peu cette mentalité dont tu parles? Il ne joue pas beaucoup, mais là il rentre, il est décisif et il est là sur la voie. Oui, Val, pour nous c'est un leader, c'est très, très important pour l'équipe. Il est vraiment joueur de l'OM. Donc moi je suis très heureux pour lui parce que je veux tous les jours comme il s'entraîne. Donc oui, pour nous c'est très important. Maintenant, aujourd'hui, il a marqué un but. Donc moi je suis très heureux pour lui. Géraud, avant de parler de la semaine prochaine, on va vous laisser savourer aujourd'hui quand même. Mais bon, vous avez un visage quand même qui est très conquérant, notamment en deuxième mi-temps à l'extérieur. À l'extérieur, vous êtes à 6 victoires sur 7 déplacements. Qu'est-ce qui fait que, je ne vais pas te dire pourquoi vous ne le faites pas au Vélodrome, mais pourquoi vous le faites comme ça à l'extérieur? Ça, c'est pour nous l'objectif, non? Faire le même à le Vélodrome qu'à l'extérieur. Je pense que on a beaucoup de margen de mejora, de améliorer comme équipe. Et oui, mais je pense que le prochain match à la maison contre Monaco, c'est le parfait match pour gagner, pour mettre à la gêne avec nous. Pourquoi pas illusionner-se, d'ailleurs.